Aujourd'hui, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. J'ai pas été très actif ces derniers temps sur YouTube. Comme je vous avais dit, j'ai beaucoup de choses en préparation, dont mon déménagement. Mon déménagement qui arrive là dans quelques jours. C'est la quatrième fois que je change d'appartement en 6 ans de vie à Séoul. Donc j'aurai encore un tout nouveau quartier, j'aurai plein de choses à vous montrer et j'aurai le déménagement qui va arriver là à vous expliquer, puisque ça sera pas comme la dernière fois où, si vous m'avez suivi, j'avais galéré avec un papy, ça s'était pas très bien passé tout ça. Comme vous savez, j'adorais mon appartement et mon quartier aussi, je m'étais fait plein d'adresses, il y avait plein de trucs que j'adorais qui sont assez uniques tout autour du quartier. Je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo, je vais enfin vous donner mes adresses secrètes que vous avez pu voir en story, que je partageais pas les adresses parce que c'est les endroits où je vais tous les jours, donc là voilà, je vais tout vous partager, je vais vous montrer tout ça et vous allez voir pourquoi la vie était si agréable dans ce quartier. Si on déménage, c'est un peu à contre-cœur parce qu'on aimait tous les deux beaucoup cet endroit avec Jie, mais Jie a eu un nouveau poste, elle a changé de travail et du coup là maintenant elle est trop loin de notre appartement, elle a 1h30 de trajet pour se rendre à son nouveau travail, donc ça fait 1h30 le matin, 1h30 le soir, ça, voilà, 3 heures de trajet par jour pour aller au boulot, c'est pas possible, donc on va se rapprocher de son travail. Quelque chose que j'adorais dans cet appartement, c'était déjà la vue, ce balcon. On avait un balcon qui était assez large, que j'avais aménagé un petit peu avec ces lattes là. Et on avait une vue splendide sur la muraille de Séoul. Bon, il y a ces bâtiments qui gênent un petit peu, mais là regardez, on voit la muraille de Séoul ici. Et si on se met, si on sort là, on voit même Bukhansan tout là-haut, ça c'est Bukhansan Yugi. Comme vous pouvez voir, c'était extrêmement tranquille, on entend beaucoup d'oiseaux parce qu'ici on a une belle petite forêt. Bon, bien sûr, on a des jeunes qui jouent au foot ou quoi, de temps en temps, les jeunes du lycée, parce que ça c'est un lycée en fait, donc ils jouent au foot ou au volley, ou... mais c'est très sympa quand même, c'est pas dérangeant d'entendre cette petite ambiance de jeunes qui jouent, surtout que les terrains sont ouverts au public, aux gens. Pas au public, aux gens qui habitent autour, ils ont le droit d'y aller. Donc moi, j'ai le droit d'aller utiliser les terrains. Donc ça, c'était vraiment sympa. Et un autre truc très très bien en bas de mon bâtiment, c'est qu'il y avait un temple. Le temple juste là. Ils sont en train de l'agrandir. On va y passer de toute façon. On va y passer, je vais vous montrer ça. Le temple qui est juste ici. Tous les matins et tous les soirs, j'entends le gong. Et quand les moines font des prières, j'entends les prières avec le chant du moine et tout. C'était super agréable. J'adorais la configuration de l'appartement aussi. Hein. On est sur un appartement avec des fenêtres traversantes. Des deux côtés, on a les fenêtres. Mais surtout, on a un appartement avec une pièce de vie centrale. C'est inspiré un petit peu des hanoks. Les hanoks, les logements traditionnels coréens, où il y avait une pièce de vie centrale et tout qui s'organisait autour. Là, c'est la même chose en fait. On a la cuisine qui est le prolongement du salon et on a toutes les pièces, on n'a pas de couloir, on a toutes les pièces qui s'organisent autour en fait de ce lieu de vie. Donc on a une chambre ici, une chambre là-bas, une chambre là. Pour un appartement comme ça dans Séoul, dans un bon quartier, il faut compter à peu près 1 400 € de loyer mensuel. Vous savez, il y a un autre système en Corée où on dépose des grosses sommes d'argent, du coup ça fait baisser le loyer mensuel. Mais si on parle juste de loyer mensuel, ça doit être ouais, dans les 1 400, un appart comme ça. Là, je suis dans l'entrée de mon bâtiment et juste ici, regardez, il y a mon petit vélo qui a fait dodo pendant 2 ans. Là, enfin, il n'a pas fait dodo, je m'en suis servi, mais qui se reposait ici. Il n'est pas attaché, il est là, il ne bouge pas. Et lui, je ne sais pas ça fait combien d'années, il est là. Mais du coup, ouais, je pouvais laisser mon vélo là à l'entrée, pas besoin de me fatiguer à l'attacher ou quoi, ça bougeait pas et ça, c'est un vrai plaisir. Je suis dans la résidence et le temple est juste là. J'ai juste à sortir, à passer là un petit portail et je suis au temple. J'aimais beaucoup la vie dans la résidence aussi. Elle est très propre, elle est à taille humaine, c'est-à-dire elle est pas énorme, il n'y avait pas énormément de bâtiments. Donc c'était assez agréable de descendre de son bâtiment et de se promener voilà, dans la résidence ou aux alentours, comme vous allez voir. Là maintenant, je passe par un petit chemin herboisé pour aller jusqu'au temple. Hola amigo, ¿qué tal? I'm happy to see you again. Ah oui, c'est vrai que ça faisait longtemps, en effet. Attends, il y a une minute de temps. Je comprends rien ce que tu dis. Ouais, ça c'était de l'allemand, mais tu aurais pu comprendre si tu avais le traducteur instantané Vasco Translator V4. Ouais, non, mais ça va, j'avais pas prévu d'aller en Allemagne, donc c'est bon. Mais attends, pauvre fou, le Vasco Translator V4, c'est 76 langues parlées, 108 langues comprises, mais le plus fort dans tout ça, c'est qu'il a une carte SIM incluse et gratuite à vie qui lui permet de se connecter à presque tous les réseaux mobiles du monde pour avoir les meilleures traductions possibles en ligne instantanément. Regarde, il est ultra simple d'utilisation, c'est un appareil qui est dédié à la traduction. Tu as 2 boutons sur l'écran, un pour ta langue et un pour la langue de ton interlocuteur. Tu peux sinon te servir des 2 boutons qu'il y a sur le côté. Tu appuies sur le bouton, tu parles et le traducteur te traduit instantanément. J'adore tes vidéos, il faudrait que tu en fasses plus souvent. 我喜欢
Il a aussi un appareil photo pour traduire les textes sur les images, comme des menus dans un restaurant ou une affiche importante. Et avec le code promo LaurentCassia5, bénéficie d'une réduction de 5% sur le Vasco Translator V4. Si tu veux en savoir plus, je me permets d'intégrer un lien dans la description de cette vidéo. Et jusqu'à fin juin, il y a un concours sur leur Facebook pour gagner un voyage et des traducteurs. Je te mets aussi le lien de ce concours dans la description. D'accord, merci. Sinon, j'ai aussi un robot aspirateur à vendre, ça t'intéresse? Tu vas dégager d'ici, toi! Là, j'arrive à l'entrée du temple. Et comme vous pouvez voir, ils vont faire un truc énorme. Ils sont en train de l'agrandir. Ils vont faire un bâtiment, un temple énorme, là. Mais on a encore toute cette partie ici. Regardez ce qu'ils vont faire. On le voit, là. Ils vont faire un truc comme ça, là. Ils vont faire un truc... tout ce bâtiment, là, ils sont en train de faire. Mais on a toute cette partie aussi qui abrite, c'est... Oh là, oh là, mais il y a des échafaudages ici aussi, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Ici c'est les habitations des moines. Oh, je crois qu'ils sont en train de refaire des trucs ici. Et donc là on a une partie des temples, d'ailleurs il y a un moine ici là. C'est joli avec les lanternes. Rien c'est... Ah bah je devrais mieux voir de là-bas, je vais aller là-haut. En haut vous allez voir, il y a un totem en pierre. Ce temple il est rigolo parce que c'est vraiment plein de petits bâtiments. La fameuse cloche, elle a été mise là temporairement. Mais celle-là elle sonne tous les matins à 5h du mat. Je te mentirais si je vous disais que ça m'a jamais réveillé. Et à 18h le soir. Et là, on a l'entrée de la forêt. Comme je vous ai montré, la forêt de mon balcon. On peut venir s'y promener. Je suis venu déjà pas mal de fois avec Gian me promener. Et là on va voir une autre partie, un autre temple qui est dans la roche, construit dans la haie. Ils font des travaux ici aussi. Ok, qui est construit dans la roche là-bas, dans la montagne. Donc ça reste très sympa d'avoir ça au pied de chez soi. On a ici ce grand totem en pierre qui va, je l'espère, nous donner une vue sympa sur tout le temple. En plus ça nous permet de voir ma résidence, voilà, c'est ces bâtiments ici. Là, ça va être le truc énorme, et là, c'est tous les petits toits traditionnels du temple. Je tourne cette vidéo fin mai, entre deux voyages abonnés. Je la sortirai fin juin, quand je déménagerai normalement. Et le temps, c'est une dinguerie, c'est trop bien. D'ailleurs, les voyages abonnés, on s'est régalé. Qu'est-ce que c'était bien. Je rejoins la route, et on continue la visite. Je vais vous montrer là une petite pépite. Là, je suis à la sortie 1 de la station Bomun, et vous avez ici les meilleurs poissons. Les pins poissons, poisson pan que j'appelle ça. Là vous en avez à l'haricot rouge et ici à la crème. C'est tout simplement les meilleurs que j'ai jamais goûté. Le papy il les fait trop bien, il est généreux sur les portions. Ah c'est une dinguerie. Sans compter que le poisson il est à moins de 40 centimes le poisson. Hein, on m'a dit que c'était 5 euros en France. Le poisson il est à moins de 40 centimes. Quelque chose que j'aimais bien faire aussi, c'était, c'est un truc tout bête, mais c'était de me promener dans les rues résidentielles avec ces maisons briques rouges qu'il y avait autour de chez moi. J'aime bien l'atmosphère qu'il y a et surtout l'architecture parce qu'on y trouve des fois des vieux hanoks qui ont résisté au développement infernal de Séoul. Et donc là au milieu des bâtiments, vous avez ces vieux hanoks comme ça avec les jolies portes traditionnelles, les belles toitures. Donc ça c'est papy mamie, tu vois, ils font leur petite plantation. Qui ont pas voulu céder leur hanok et ils ont bien raison. Là vous avez le coiffeur qui fait sécher ses serviettes devant sa boutique. Encore quelques hanoks préservés. Là vous avez vraiment rien de touristique dans ces rues. C'est vraiment la vraie vie des Coréens, voilà, qui vivent dans les quartiers résidentiels. C'est pas un endroit qu'on vient visiter et pourtant c'est sympa de s'imprégner de l'atmosphère des habitants, des locaux. En dehors là, de tout ce qui est touristique, Hongdae, Myeongdong, machin. Là, vous en avez encore un qui est bien imposant. Il est assez balèze, celui-là de Hanok. Ah, je sais pas combien ça vaut, mais ça doit pas être donné à Hanok comme ça. Ouais, ça dépasse le million d'euros sans hésiter. Hein, rien que le prix du terrain, ça coûte une fortune. Hein. Mais même sans parler des Hanok, rien que ces bâtiments à briques rouges, avec les câbles en haut comme ça, ça a vraiment un charme particulier. Et c'est toujours... Enfin, c'est toujours, moi je kiffe toujours me promener dans ces rues, regardez les petites ruelles comme ça, les pavés verts, hein, typiques de Séoul. Ici ça me fait rire parce que c'est le coin des mamies. T'as toujours une dizaine de mamies qui sont posées là et qui tapent la discute toute la journée.
Et là, je viens de rejoindre un petit supermarché, une supérette, qui a la particularité d'être ouvert 24 sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, tous les jours, toutes les heures. Vous allez me dire, vous avez déjà les 7-Eleven en Corée, les petites supérettes, mais non, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un petit supermarché avec les fruits, les légumes, du poisson, de la viande. Voilà, dans les 7-Eleven, vous n'avez pas des fruits, des légumes comme ça. Là, vous avez un vrai supermarché avec tout ce que vous avez besoin pour vous faire à manger et tout, tout, tout. Les énormes sacs de riz, la partie poisson, la partie bouchée. Non, c'est incroyable, là, vous avez tout 24 heures sur 24, c'est incroyable. Je vous amène même jusqu'à la boutique de mon petit papy là qui fait les vélos. Lui, c'est, bah, vous savez, mon vélo jaune. Quand j'ai un truc à changer dessus ou une réparation quoi, je viens voir le petit papy, il est là. Et il a tout ce qu'il faut, et il faudra trop bien. Vraiment, c'est la Corée, hein. Tout ce qu'il faut, on a tout autour de la maison. Et là, je vais vous amener dans la meilleure adresse. L'adresse qui va en ravir plus d'un regardant cette vidéo. L'adresse que vous avez été des milliers à me demander sur Instagram. Regardez le parasol pour s'abriter au passage piéton. Regardez des platanes, hein. On se croirait presque dans une avenue en France là, non? En plus, c'est ça que vous vouliez voir, c'est ça que vous vouliez. La fameuse boulangerie Ishine Pangji Bakery Pang. Elle est là, je vais vous montrer un petit peu. Merci. Aïe, 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 aïe. Les meilleures baguettes de Séoul. Elles sont incroyables, peut-être meilleures que dans la boulangerie à côté de chez vous en France. Non, elles sont vraiment extraordinaires. Elles sont vraiment extraordinaires. Vous avez le pain aux olives qui est super bon, le pain, la baguette avec des pépites de chocolat qui est super bonne, et bien sûr, croissant, pain au chocolat. C'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment, cette boulangerie, le jour où je suis tombé dessus, j'ai halluciné. Alors, si vous êtes sur Séoul, vous voulez des bonnes baguettes, vous allez vous régaler. Tous venir le dévaliser le truc. Mais vraiment non, même les pains au chocolat. Alors c'est 3800 la baguette. Et je crois que c'est 3800 le pain au chocolat aussi. Là ça fait 3 euros. Ouais non, 2,80€ la baguette. 2,80€ la baguette, 2,80€ le pain au chocolat. C'est pas donné, mais bon, on est en Corée, hein, c'est pas la spécialité du pays. Mais c'est aussi très très bon. C'est pas des baguettes décongelées ou quoi machin. Là. C'est vraiment, elles sont vraiment très bonnes. Il fait très chaud. Il fait très chaud. On va juste prendre un truc vite fait à boire. Merci. Mais en vrai les meilleurs supérettes, les meilleurs Peony Jump, on dit Peony Jump en Corée, le combien d'instants, c'est les CU. Révélation dans cette vidéo, les meilleurs convenience store, c'est les CU, les amis. Les CU. Les S25 sont pas trop mal. Mais les 7 en Corée, ils sont claqués. C'était bien au Japon, mais en Corée, ils sont claqués. Claqués, les 7. En plus des supérettes en Corée, vous allez avoir beaucoup dans les quartiers résidentiels des petits vendeurs de fruits et légumes comme ça. Vous voyez, c'est une petite échoppe qui fait que des fruits et des légumes. Et en général, c'est vraiment pas cher. Alors, on va pas faire une vidéo sur le coût de la vie aujourd'hui. Mais là par exemple on a les bananes, la grappe de banane à 2€, la boîte de tomates là elle est à 2€, moins de 2€. Et là, il y a la station service juste là, le prix de l'essence, ah c'est dommage, je vous l'aurais bien dit pour vous faire rager un petit peu, mais non, je crois qu'en ce moment on est à 1,20€, un truc comme ça. Mais on fera une vidéo, prochaine vidéo là sur le coût de la vie en Corée 2023, parce qu'on a une bonne petite inflation en Corée aussi. Donc on va aller faire un tour dans le magasin de légumes, tout ça, voir le prix de la viande. Ça peut être sympa, parce que j'avais déjà fait ça il y a quelques années, il y a 4 ans je crois. Voir un petit peu comment ça a bougé, et puis là voilà, là maintenant je connais bien les prix, je sais qu'il faudra regarder, je sais ce qu'on peut trouver moins cher, ce qu'il y a de plus cher qu'en France. Et donc je me suis un petit peu promené dans le quartier résidentiel, mais là je suis revenu sur mes pas, parce qu'en fait depuis tout à l'heure je marche en rond, hein, je marche tout autour de mes bâtiments, et je rejoins là, la fameuse rivière, qui a juste à côté de chez moi. Regardez, c'est cette allée de fleurs, c'est des bargeaux, c'est cette allée de fleurs tout le long là. Et voilà, je rejoins la rivière. Comme c'est mignon. C'est trop beau. Et ouais, sur le bord de la rivière, c'est la même chose. Regardez, vous avez des vieux hanoks comme ça qui ont résisté aux envahisseurs building
Et la rivière, toutes les fleurs là, même, oh, c'est trop beau. Je kiffe trop, c'est trop agréable. Il y a un truc que je trouve sympa, c'est cette église catholique en pierre comme ça, vraiment dans le style occidental. Et ce qu'il y a de marrant, c'est qu'à 18h, elle sonne les cloches en même temps que la cloche du temple. Et je l'entends très bien chez moi, ça fait qu'à 18h pile, il y a un peu la baston entre la cloche du temple et les cloches de l'église catholique. Et là, je rejoins la rue commerçante. La rue commerçante qui est à côté de chez moi, c'est là où il y a toutes les boutiques. Il y a plein de cafés, de restaurants. Cette rue, c'est surtout le soir qu'elle est le plus animée. Et à la tombée de la nuit, il y a tous les éclairages qui s'éclairent dans tous les sens. C'est super beau. Puisqu'en fait, on a une université qui est pas loin. Il y a l'université de Songshin. Et donc, il y a tous les étudiants qui descendent par ici. Il y a même la salle d'arcade là. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus que cette rue animée, c'est ce qu'on va trouver juste de l'autre côté là. Le Donam Sijang, ça c'est un vrai bail, le marché traditionnel coréen. Voilà, avec toutes les spécialités coréennes. Là, regardez, on a des banchan, le poissonnier. Alors, c'est vraiment top. J'avais fait une vidéo dédiée sur ce marché où j'avais testé plusieurs trucs que j'avais ramenés, que j'avais goûté en vidéo. On peut venir s'acheter des soupes, comme je vous disais, les fameux plats d'accompagnement là, les banchan, ce qu'on met en accompagnement de ce qu'on mange. Il y a plein de choses pour agrémenter ces menus. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est super important quand tu viens en Corée d'habiter à côté d'un marché traditionnel pour venir chercher toute cette nourriture préparée. Wow, ce soleil d'un coup. Et là, il y a un autre truc que je voulais vous montrer qui est à côté de la maison. C'est un sauna old school. Vous voyez, quand vous voyez cette cheminée, ça représente, c'est écrit Mokyoktang, ça veut dire bain. C'est des bains publics. Donc là, vous avez un sauna, je suis venu plusieurs fois. Là, il est fermé, je crois qu'ils sont en break time entre midi et deux. Et c'est très sympa, c'est vraiment un truc assez old school. Dedans, il y a que des papis. Il y a que des papis, sûrement des mamies, mais je suis pas allé dans le bain des mamies. De toute façon, dans tous les cas, j'aurais pas pu vous le montrer à l'intérieur. C'est des bains publics où on est tout nu. Vous savez, il y a un public coréen, on est tout nu, expérience à faire absolument. On fait dans le voyage abonné d'ailleurs et tout le monde adore. Alors là, je suis dans une résidence qui n'est pas la mienne, mais qui est juste à côté. J'avais fait un Reels dessus parce que l'aire de jeu, elle est incroyable. Donc je suis venu squatter quelques fois avec Diane pour qu'il puisse s'amuser. C'est celle où il y a l'énorme sculpture de cerf comme ça avec un toboggan qui fait 50 mètres. Je viens de rejoindre un parc à côté de la maison là. On a une jolie petite rivière. Mais surtout, une très belle aire de jeu dans la forêt. Je l'avais déjà montré en story, mais voilà, on a une espèce de parcours du combattant pour les enfants là-bas. Je suis venu assez souvent avec Diane pour l'entraîner, hein, pour faire son entraînement. Voilà, un petit parcours comme ça, au milieu des arbres, en plein Séoul. Je trouve ça vraiment génial. Mais c'est pas tout. C'est pas tout ce qu'on retrouve dans ce parc. Il y a ça. Mais je vais maintenant vous montrer la chose la plus extraordinaire de mon quartier. Non, vraiment, c'est incroyable et je pense pas que je puisse retrouver ça quelque part ailleurs. Les abris comme ça, là. Les abris comme ça, c'est royal. Et là, on a plusieurs papiers à l'intérieur en train de jouer une sorte d'échiquier ou jeu de dames avec des pions noirs et blancs. Toujours dans ce parc. On a encore une aire de jeu pour les enfants. Là, il y a un trampoline au milieu. Là-bas, il y a un toboggan. Il y a un énorme bac à sable. Ça fait une aire de jeu vraiment sympa. Gian, il adore venir s'amuser là. Alors, vous allez me dire, là, tu nous montres des trucs, mais il n'y a personne. C'est vachement calme. J'ai fait exprès de venir entre midi et deux. Entre midi et deux, les petits sont à la crèche, les enfants, les parents travaillent, tout ça. Si vous venez en fin de journée, il y a plein de petits qui jouent. Pareil, dans les rues, c'est plus animé et tout. Là, entre midi et deux. Je fais exprès pour faire ma vidéo tranquillement. Mais voilà, voilà les amis. Le plus incroyable de mon quartier. Le plus incroyable. Parce que j'avais fait un Reels dessus. Je sais pas si j'avais déjà montré en vidéo ou pas, mais j'avais fait un Reels dessus. C'est la salle de muscu en plein air, gratuite, 24 sur 24. C'est incroyable. Avec tout ce matos, c'est un truc de dingue. Tu viens t'entraîner.
C'est magnifique, c'est incroyable. T'as les poids en libre service comme ça, ça bouge pas, c'est incroyable cette salle de sport. Ah mais dès que j'avais trouvé cette salle, j'avais résilié mon abonnement à la salle normale. On est en extérieur, on s'entraîne même en plein hiver, c'est agréable puisque c'est couvert, même quand il pleut, c'est royal cette salle de sport. C'est vraiment incroyable d'avoir ça en libre service comme ça, c'est incroyable. Autant j'adorais mon ancien quartier, Hiewa, j'ai fait des vidéos sur chacun de mes quartiers, donc si vous m'avez suivi, vous connaissez aussi mon ancien quartier, le quartier artistique, voilà, c'était très sympa. Autant j'ai adoré celui-là aussi, j'espère que j'adorerai autant le prochain, comme j'ai adoré mes deux anciens quartiers là. J'espère aussi que ça vous a donné un petit aperçu de ce que ça pouvait être la vie en Corée. En tout cas, ouais, 6 ans maintenant que je suis en Corée du Sud, bientôt un quatrième appart et un quatrième quartier. J'aime toujours autant être ici. Comme je vous ai dit, là, j'avais un peu mis de côté YouTube parce que j'étais vraiment très très occupé en ce début d'année. Oh non, je voulais faire mon août là tranquille, il commence à couper les herbes. Bon, non, j'ai commencé aussi en parallèle à faire des reels, des TikTok, des shorts, hein, je pense que vous les avez vus passer. Ouais, je kiffe bien faire ce petit format. De toute façon, on se retrouve prochainement pour la vidéo sur le coût de la vie. On fera une vidéo exploration du nouveau quartier. Semaine prochaine, moi je commence un nouveau voyage abonné. Parce que là, quand j'enregistre cette vidéo, on est fin mai. Mais cette vidéo sera publiée fin juin, donc il sera fini. Voilà, il sera fini au moment où vous voyez cette vidéo. Mais pour moi, là tout de suite, je le commence la semaine prochaine. Je suis très content, j'ai très hâte. Le dernier qu'on a fait, c'était vraiment la folie là, au mois de mai. Je vous retrouve rapidement sur YouTube. Merci pour tous vos messages. J'arrive plus à parler. Merci pour tous vos messages que vous m'avez envoyé pour prendre des nouvelles et tout. Comme je vous ai dit, si vous ne me voyez pas sur YouTube, pensez à passer sur Insta. C'est là où je donne des news régulièrement. Merci à tous. Je vous retrouve très bientôt et je vous dis hasta la vista.